Alors, le jeu de direction. Aujourd'hui, j'ai l'intention de changer le jeu de direction. Pas seulement de le régler, ça on l'a déjà vu. Mais celui-là, il commence à être un peu vieux. Faut refaire le réglage toutes les 2-3 sorties, ça me plaît pas. Alors, première étape, lever la roue. C'est fait. Ensuite, on va tâcher de démonter le moins possible. Donc sortir la potence entière avec le guidon monté. Ensuite, tirer la fourche vers le bas et sortir le jeu haut et bas. Bon, en espérant que les câbles soient assez longs pour pouvoir sortir tout d'un bloc. Et ben, on va voir ça, hein. J'ai déjà desserré la potence. Il ne reste plus qu'à enlever le système de réglage, là, le head. Et ça devrait le faire. Il n'y a que la longueur des câbles de frein qui me gêne. Ça va peut-être. On verra bien. Et on y va. Alors cette fois, on lève complètement la vis. Forcément, sinon elle va faire buter. Le capuchon, s'il veut bien sortir. Ça va, c'est bon, je récupère. Je pourrais peut-être l'adapter sur le nouveau si la couleur ne me plaît pas. Je peux sortir le guidon. Aïe aïe aïe, je vais faire tout bouger. Ah, doucement. Ah, ça bouge sans appui là. Voilà, c'est mieux. Et je vais poser. Ben mon vieux, pourtant j'ai bien desserré. Et je vais poser ça délicatement. Sans plier trop les câbles, voilà qui est fait. Et normalement, bon, les trois bagues, oh là là. Il y a un moment que j'ai pas démonté ça. Voilà l'une, ben, marqué, j'en ai de rechange. C'est pas une pince pour les sortir. Tac. Bon, ça y est, mais bon, avec une pince, hein, je les ai marqués, pas bien grave. C'est cette partie-là qui manquait de graisse, c'est un peu rouillé. Les trois. Et normalement, ça doit descendre tout seul, mais il va peut-être falloir taper un peu. Oh, quelle galère. Donc, il faut le faire de temps en temps parce que. Ça tient tout seul, miracle. Bon, il va falloir que je tape un peu pour décoller. Je peux pas le faire d'une main. Je vais y mettre un peu de gras et laisser. Remarque, j'avais du WD-40. Non, c'est pas vraiment collé. Hein. On va laisser ça tremper quelques temps. On poursuivra après. Et ça m'étonne que ça soit dans cet état. Et ben voilà, ça vient. En fait, il y avait juste la conique là qui coinçait un peu. Elle est là. Je récupère quand même tout, sait-on jamais si je trouve pas le bon modèle. Parce que je n'ai pas encore le modèle. En fait, je démonte. J'en ai trouvé un, mais j'aimerais vérifier en amenant celui-là. On regarde bien l'ordre des pièces. Hop. Là, ce que je fais, c'est que je regarde ce que c'est que ces balures. C'est du gras. Voilà, et ma fourche. Allez, là, ça manque de graisse. Hein. On va essayer de prendre ça à la main. Et ma fourche sort donc vers le bas. Voilà, un bon nettoyage du tube après, du pivot. Ici, l'aiguille du bas. L'aiguille, la cage à billes du bas. La demi-coquille en bas, elle reste sur la fourche. Et moi, il faut que je récupère cette cage-là. Et celle-là.
avec ses billes minces. C'est trop noir, on les voit pas, mais elles y sont. Allez, j'ai besoin des deux bras pour poser la fourche.